Depuis que les enfants aiment faire ce portable, ils ne viennent plus me voir. Grâce à la communication, on ne parle plus. Alors je leur dis, mais c'est pas ça, qu'est-ce que ça veut dire? Même si on doit se disputer, qu'on se dispute en vrai. Moi j'en ai marre de je t'embrasse, je t'embrasse très fort, viens faire les bisous. Alors on ne se voit plus avec les enfants. En plus maintenant ils font le truc là-bas, comment ça s'appelle là, avec l'ordinateur là de l'internet. Nous, au Maroc, on nageait dans le web, et en France, ils surfent dans le web. Il y a une croissance qui n'est pas encore suffisamment importante aux États-Unis, donc elle repousse au maximum. Alors de là à dire qu'elle va repousser ad vitam aeternam, non. Clairement, il va falloir qu'elle le fasse. Est-ce que c'est septembre ou est-ce que c'est décembre? Il y a une élection présidentielle aussi au milieu. Est-ce qu'elle va prendre le risque de le faire avant l'élection présidentielle? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'elle le fera en décembre. Comme l'année dernière, elle attendra la fin de l'année pour le réaliser. Oui, c'est ça. Beaucoup, d'ailleurs, en fin d'année dernière, doutaient parce que décembre, c'est un mois particulier sur les marchés. Il y a les congés de fin d'année. Il y a moins de liquidités aussi. Preuve en est, a posteriori, que ça ne l'a pas empêché d'agir une première fois en décembre. Ça n'a pas empêché, ça n'a pas posé de problème au marché qui, aujourd'hui, est... Roberto Alagnac, vous n'aviez pas l'argent nécessaire pour vous offrir un smoking? Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que j'avais arrêté le cabaret, donc j'avais plus d'argent. Mais le smoking coûtait 10 000 francs à l'époque, l'ensemble. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Donc je suis allé à la mairie de ma ville, à Clichy-sous-Bois. On m'a dit qu'on ne pouvait pas. J'avais dit, voilà, je suis finaliste, puisque le concours a duré presque 2 ans. Et donc j'avais demandé, personne n'avait pu m'aider. Et puis j'ai regardé dans le journal les concours, et puis j'ai vu qu'il y avait un concours à Béziers. Et là, le prix, c'était 10 000 francs. J'ai pris ça comme un signe. Je me suis dit, tiens, bah, 10 000 francs, c'est exactement la somme. Puis je suis allé à Béziers, j'ai remporté le concours, j'ai acheté mon smoking, je suis parti à Philadelphie et j'ai gagné mon concours. Je vous ai dit que cet homme était d'un enthousiasme.